Le film que vous allez voir est né sous une voile. Les génériques de Gaspard Noé sont comme des rêves éveillés. Anaphore, Franc du Collier, Vivant. Ces génériques nous parlent, palpitent. Dans le sillon d'un Kandinsky qui peignait des musiques, Gaspard Noé, lui, nous décolle la rétine, défragmente notre disque dur interne. Ces génériques ne ruminent pas. Ils semblent avoir la capacité de se mouvoir, se déconstruire, muter, changer de place, de statut, de forme. Telle une thérapie systémique, il modifie la perception psychologique de la réalité comme de l'image. Il génère des fantômes, des sublimations, comme ici dans Irréversible en 2002. Ça hypnotise d'emblée, prépare le terrain, la conscience. Ses génériques sont chimie, transe, danse, injonction, tête à queue. Franco-argentin, Gaspard Noé est imbibé autant d'art akiri que d'écrits philosophiques et s'inspire entre autres des toiles de son père, Luis Felipe Noé, à travers son œuvre néo-figurative haute en couleur. De même, il intègre et popularise le cinéma expérimental dans son approche cinéplastique, ici par exemple via le travail énergisant de Thorsten Flesch, à qui Gaspard commande en 2009 la conception du titre électrophotographié à 30 000 volts de Enter the Void. Dans ses génériques, le cinéaste y invite sans cesse des artistes et les célèbre, par exemple à la fin de son premier long, Seul contre tous, en 1998, avec un goût soutenu pour remercier aussi la France d'accueillir ses films. Bleu, blanc, rouge, en germe dans son œuvre comme une signature, une terre d'accueil. Accueil parfois parlé, comme ici dans Seul contre tous. Chacun sa vie, chacun sa morale. Et si je devais résumer ma vie elle est très simple, c'est celle d'un pauvre type. Police palpitante, mention singulière, l'art des génériques selon Gaspard Noé correspond aussi avec ceux réalisés par sa compagne et associée Lucille Adzia Lilovic, comme La bouche de Jean-Pierre en 1996, Innocence en 2005 ou encore Évolution en 2015. Dans Enter the Void, le titre est fendu en deux. On ne retrouve les deux derniers mots du titre lui-même qu'à la toute fin du film. Dans Climax, le générique de fin arrive au début et le titre d'ouverture émerge à la fin. Cette approche des génériques évoquerait presque ici René Char. On ne peut pas commencer un poème sans une parcelle d'erreur sur soi et sur le monde, sans une paille d'innocence au premier mot. Déviant, désaxé, le générique inaugural d'Irréversible dévisse et désobéit. Avec ce même souci d'invention, cher à Michel Serres, nous changeons, progressons et régressons. Nous inventons l'avenir parce que, déprogrammés, nous désobéissons. Voici donc notre nom, Orla. Les génériques du cinéaste constituent en quelque sorte l'arche de Gaspard, s'y agitent donc pêle-mêle dans un désordre amoureux, Pasolini, Unger, Fassbinder, Argento, Kafka, Bataille. En 2018, Noé, le transgressif, se permet de faire démarrer son générique de Climax au beau milieu du film, transformant le générique, réalisé ici par Tom Kahn, en entracte, voire en trou normand. Idéogramme et lettres d'or personnalisées pour chaque membre de son équipe, et typo abîmé avec smiley en fourrure pour lui-même. Dans Love en 2015, titres et crédits du film sont placés en cartons successifs à la toute fin. Si pour le cinéaste nous ne sommes qu'un assemblage de fragments, de blessures, son générique est peut-être lui aussi une sorte de réservoir, d'alvéole, de boîte de prestidigitateur, de boîte crânienne. Il est un peu la coquille du film, la trace physique de sa genèse. Chez Gaspard Noé,
aucune gêne technique à l'égard de la fragmentation. Forme avant tout ivre d'autarcie absolue, le fragment trahit plus de circularité, d'autonomie et d'unité qu'un discours suivi qui masque vainement ses ruptures. Il est ici au final ce qui s'est effondré, reste comme le vestige d'un deuil. Selon Pascal Quignard, il est la citation, le reliquat, le talisman, l'abandon, l'ongle, le bout de tunique, l'os. Minuscule catastrophe, minuscule épave, minuscule solitude. Dans ce générique de fin compact et japonisant, on songe à Stefan Zweig. En réduisant son esprit, le monomaniaque touche paradoxalement à l'universalité. Mais s'il ne fallait faire l'expérience que d'un seul générique de Gaspard Noé. Ébauche de vertige, lésion de l'esprit, pensée étranglée, précis de décomposition. Comme Cioran, douteur en ébullition, douteur en transe, Noé pense que ses génériques doivent remuer des plaies, voire déplaire, et qu'un film doit relever d'un danger. Ce générique a une âme qui n'est qu'à lui, œil, oreille et main du film. Le générique sert simplement à entrer en contact. Cette ouverture de Enter the Void, conçue par le franco-japonais Tom Kahn, composée de 8 cartons par seconde, est entièrement montée cut, image par image, habitée par des typographies d'affiches de films préexistants. Tarantino considère ce néo-générique d'ouverture comme un des plus réussis jamais réalisés. Et même Kanye West s'en empare outrageusement dans un de ses clips. Électrolyse. Au fond, pour Noé, ce qui ne peut se traduire en termes de mystique ne mérite pas d'être vécu. En lançant ici le générique le plus rapide de l'histoire, il ne s'agit pas de tuer le temps avant d'être tué par lui, mais de vivre et mourir à la troisième personne. S'exiler, se dissocier de son nom, de soi-même. Illusion d'immortalité. Besoin de nom pour baptiser nos angoisses fondamentales. Bref, l'art des génériques chez Gaspard Noé, comme poésie hallucinogène, poésie première, primitive, reptilienne, télépathique, litanie chamanique, patchwork, champignon, cactus, arche, matrice. Parfaitement réveillé. Une grande journée s'ouvre devant toi. C'est la journée qui t'ouvre les portes d'une fabuleuse période que tu es déjà en train de construire.